Et c'est le début des championnats Francière Poney à Deauville. Et la première course, c'est la Poney D. Le prix Ajoka a été remporté haut la main par la casaque Hugues de Montmirail, portée par Jade Houdier. Bravo Jade. C'était une balade de santé. Hein. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé avec le poney. Bah écoutez, la course est super bien passée. Voilà, c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver des poneys avec qui pouvoir me cacher, mais voilà, c'était une super course. Comment on sent quand on passe le poteau en tête à Deauville? C'est quelle émotion? Bah, c'est merveilleux, c'est un rêve. C'est tous les jours du travail pour que ce rêve-là se réalise, donc c'est merveilleux. Et avec une belle casaque en plus, bravo Jade. Et on va quand même aller voir un peu le papa, qui lui a été ancien jockey. Xavier, je commence à connaître la mécanique, mais j'imagine que ça fait toujours plaisir de voir son fils gagner, surtout dans des endroits pareils. Oui, non, surtout on se bat mal avec ce poney parce qu'il n'est pas tout le temps tout évident à l'entraînement. Et dès qu'il est devant, il pourrait faire des bêtises. Alors j'ai un peu peur, je lui dis toujours d'attendre, d'être patient, puisque ce que je veux, c'est qu'il apprenne à être très patient en course. Le but du jeu, les courses de poney, c'est pour apprendre. Et voilà, il a un bon poney, c'est sûr, mais je veux qu'il apprenne à monter fin et c'est important. Il a un peu de talent, le petit Jade, non? Il se débrouille pas mal, mais il faut pas trop leur dire. C'est parce qu'il a eu un bon éducateur comme père. Merci beaucoup, Xavier.